damn phones. Babylon's can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to. Salut à tous les amis, c'est Bob le Mineur, aujourd'hui une nouvelle vidéo Clash Royale sur laquelle on va faire un petit bilan de la mise à jour qui est arrivée aujourd'hui. Alors petite précision, ne me jugez pas pour la qualité du son, je suis actuellement sur mon balcon car il fait nuit pour tourner cette vidéo, donc voilà, si vous entendez des bruits de scooter ou de voiture, c'est normal. Donc première nouvelle, on a deux nouvelles cartes, une boule de neige qui est un peu comme un zap ou une bûche, en fait une nouvelle alternative, donc pourquoi pas, ainsi que des cochons royaux qui sont un peu une alternative aux cochons actuels, sauf qu'ils sont 4, donc pas contrables par tout ce qui est PK, mini PK. Ensuite on a un nouvel équilibrage un peu dans le ladder, donc ils ont dit que ça serait un processus qui prendrait plusieurs mises à jour, mais voilà, on tombera plus rarement avec des adversaires qui ont beaucoup trop d'écart au niveau de leur carte ou même de leur niveau de tour du roi, donc un niveau 13 contre un niveau 11, tout ça c'est terminé. Ensuite, petite précision, pour acheter des emojis un peu comme ceux qu'on a maintenant sur lesquels on peut mettre voilà un petit roi qui rage ou un petit roi qui pleure, sauf que là ce sera avec des gobelins et une princesse, donc ce sera un contenu payant, mais ça peut être fun, pourquoi pas. Aussi on aura beaucoup plus de cartes en fait de manière globale, que ce soit des rares, des épiques, des légendaires ou même de l'or dans les coffres, donc coffre en argent, coffre doré, même coffre de guerre de clan, donc très cool pour les joueurs qui mettent pas d'argent dans le jeu, voilà, plus de cartes tout simplement. Donc une avancée plus rapide dans le jeu. Et enfin un petit équilibrage. Donc là on a les deux sorts qui voient leur range augmenter. Les minions par exemple qui vont mettre un peu plus de temps à spawn, donc un peu nerf. Toutes les cartes qui ont des charges ou même des sauts vont voir leur range uniformisé, ce qui fait que ce sera plus facile à anticiper, donc un peu plus facilement contrable. Aussi, nouvelle très très importante pour ce qui est du ladder, on aura en fait la mort subite qui durera non plus une mais 3 minutes, ce qui fait que les decks poison mineur dans lesquels on peut tuer l'adversaire à petit feu vont être pétés comme jamais les amis. Donc les decks de long terme vont vraiment voir leur value augmenter, tandis que les decks qui sont faits pour être joués dans le court terme vont voir voilà, vont être un peu nerf globalement. Et puis j'ai à peu près tout dit pour cette mise à jour, donc beaucoup de contenu, surtout pour ceux qui ne vous mettent pas d'argent dans le jeu, donc vraiment très positif. Donc sur ce, voilà, si cette vidéo vous a plu, même si elle est un peu tournée à l'arrache, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça ferait super plaisir les gars, vous êtes déjà plus de 100 sur la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu pour cette vidéo. Sur ce, moi je vous fais un bisou, puis je vous dis à une prochaine, bye.